come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing her. Poitiers Basket est venu vers le service des chefs propreté pour travailler avec nous dans le cadre de cette semaine, la semaine du développement durable. On a déployé également différents bacs de tri pour permettre aussi aux spectateurs de trier leurs déchets, de pouvoir trier les déchets. Et puis ce matin, dans le cadre de la matinée, on faisait une petite sensibilisation des partenaires, des entreprises partenaires du club à l'aspect prévention et maîtrise de la production de déchets. Alors l'objectif de l'intervention était de sensibiliser l'entreprise à la notion de prévention des déchets dans différents secteurs d'activité qui permettent à la fois de réduire leur impact environnemental mais également leur coût de gestion en interne, en externe, de traitement par le biais de quelques actions ou quelques retours d'expérience pour les sensibiliser et mettre en place, initier une dynamique à ce niveau-là. Se rendre compte du coût des déchets, donc il y a un coût externe, un coût visible, mais il y a aussi un 80% du coût qu'on n'appréhende pas et qui au final représente une certaine partie de la masse économique créée par l'entreprise. Et puis on a également abordé l'aspect réglementaire qui conduit aussi beaucoup à l'action et des collectivités et des entreprises. Cet aspect réglementaire aujourd'hui redéfinit une nouvelle hiérarchie en termes de gestion des déchets, où avant de penser à valoriser, à recycler ce déchet, on doit d'abord se poser la question, essayer de augmenter sa durée de vie, c'est-à-dire c'est un déchet mais je vais m'en resservir et donc je le jetterai toujours mais un petit peu plus tard, ou essayer tout simplement d'éviter ce déchet et de faire en sorte qu'il n'apparaisse pas. Yeah.